any difficulties. We came in from Toronto, the ride was pretty smooth, we're expecting the same all the way back, however, still keep the seatbelts on, even if the seatbelt sign is off, just in case of any unexpected bumps. The weather in Toronto is pretty good, we'll have a day once you get close, you may well sit back, relax, and enjoy your flight. Thank you. Souhaitons la bienvenue à bord du vol. Dans le but de rendre votre vol agréable, notre équipage se tient à votre disposition à tout moment. N'hésitez pas à nous appeler pour toute information ou requête. En préparation pour le départ, veuillez vérifier que tous vos bagages à main, incluant les sacs à main et ordinateurs portables, soient sous le siège devant vous ou dans les compartiments de rangement supérieurs, situés au-dessus de votre tête. Assurez-vous que les appareils électroniques personnels soient en mode avion pendant toute la durée du vol. Veuillez retirer vos écouteurs jusqu'à la fin de la démonstration des consignes de sécurité. Si votre appareil électronique tombe sous votre siège, veuillez ne pas essayer de le récupérer par vous-même. Appelez un membre de l'équipage pour le récupérer en toute sécurité. Il est interdit de fumer, d'utiliser des cigarettes électroniques ou des vapoteuses. Si vous avez des questions ou des observations, n'hésitez pas à en faire part à l'un des membres de l'équipage. Merci. Yeah.
ladies and gentlemen. Thank you for joining us this lovely morning. On behalf of Flair Airlines, welcome aboard Flight 120, all north to Toronto. Every member of your flight crew is here to make you feel at home, so please let us know if there's anything that we can do to make you feel more comfortable. Please be advised, due to COVID-19, our pilots have opted to actually fly from home today, so don't be alarmed. I'm just kidding. But in preparation for departure, please check to make sure all your carry-on items, including purses or laptops, are placed underneath the seat in front of you or in the overhead bin above. Ensure that personal electronic devices are now in airplane mode for the duration of the flight. Please remove any earphones until the safety demonstration has been completed. If your electronic device falls in your seat, do not move your seat or try to retrieve it yourself. Notify the cabin crew immediately to ensure the retrieval of your device. Now, you do have a smoking hot crew working for you today, but we must remind you that smoking, including e-cigarettes or vaporizers, is strictly prohibited. If you have any questions or observations, please feel free to bring them to the attention of any of our crew members. Thank you. Flair Airlines a pour objectif de maintenir un environnement sain pour ses passagers et son personnel navigant. Pour cette raison, nous vous demandons de bien vouloir porter un masque couvrant votre bouche et votre nez durant tout le vol, y compris pour tout déplacement à bord. Le port du masque est obligatoire et aucun refus ne sera accepté. Tout refus de port du masque exposera l'individu à des amendes. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre coopération. Provide a safe environment for all passengers and crew, we require masks to be worn at all times while on board, including while moving around the aircraft. The requirement to wear masks or face coverings, which cover your nose and mouth, is met with zero tolerance. The only exception is while eating or drinking. Those who do not comply may be faced with penalties. We thank you in advance for your cooperation. Thank you.
prepare doors for departure, please. Cabin door is now closed. We kindly ask at this time if you have any earphones on to remove them until the safety demonstration has been completed. My name is Kessel, I'll be one of your attendants taking over to your destination today. In the front here with me is my brother Sheck. In the middle of the cabin will be my ex-wife Courtney and my mother-in-law Aziza in the back. Safety features card is located in the seat pocket in front of you. Please take the card out and follow along as we cover the important safety features of this Boeing 737 aircraft. Now, in the odd case you haven't been in an automobile since 1942, we're going to show you how to put on your seatbelt. So if you haven't already done so, please fasten your seatbelt to fasten it into the flat metal buckle into the buckle and pull on the strap to tighten around your hips. To release, lift up on the upper portion of the buckle and pull apart. There are a total of 8 emergency window exits and emergency exit doors on this Boeing 730 aircraft. 4 emergency exit doors, 2 located on each side of the aircraft at the front, and 2 on each side of the rear. Each is equipped with a slide that deflates automatically. There are also 4 emergency window exits located over the wings, 2 on each side. Each exit is clearly marked. Please look around and locate your nearest exit and your nearest alternate exit. Keep in mind your nearest exit may be located behind you. In the event of reduced visibility during evacuation, escape path lighting running the length of the cabin will automatically illuminate to guide you towards an exit. Now, we don't anticipate any loss of cabin pressure, and if we did, we wouldn't have shown up for work today, but cabin pressure is controlled for your comfort. In the unlikely event of a loss in cabin pressure, an oxygen mask will automatically clear from the compartment above each seat. Should this occur, immediately pull the mask towards you to release the pin and start the flow of oxygen. Those of you wearing non-medical masks or personal face coverings will need to remove them prior to placing the oxygen mask over your nose and mouth. Extend the elastic band over the back of your head and tighten the straps. Breathe normally and do not remove the mask until advised by a crew member. For those of you traveling with small children today, just pick your favorite child or the one that has the highest earning potential for when you retire. Put your own mask on first, then assist your little travelers. Our reversible life vest is located in the pouch beneath your seat. Please refer to your safety features card for removal and donning instructions. Ladies and gentlemen, please pay attention to the ordinance signs. You must remain seated with your seatbelt securely fastened whenever this fastened seatbelt sign is illuminated. Please be advised that crew performed the safety demonstration with face coverings due to COVID. However, in the event of an actual emergency, remove your personal face coverings first prior to donning the oxygen mask. In preparation for takeoff today, please place your seat back and chair tables to the upright and locked position. Also, all carry-on baggage must be placed under the seat in front of you or in the overhead bin above. Your approximate flight time today is 50 minutes, flown at 32,000 feet. We thank you for your attention and wish you a pleasant flight. We're going to do this one more time in French and we'll be up and on our way. Thank you. Nous vous demandons de bien vouloir nous accorder votre attention pour la démonstration des consignes de sécurité. Veuillez prendre la carte des consignes de sécurité qui se trouve dans la pochette du siège devant vous afin d'avoir tous les détails des mesures de sécurité du Boeing 737. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez attacher votre ceinture de sécurité. Pour l'attacher, insérez la boucle dans la pince et ajustez-la à votre hanche. Pour la détacher, soulevez la partie du haut. Le Boeing 737 possède 8 sorties de secours. Il y a 4 portes de secours, 2 portes à l'avant, 2 portes à l'arrière. Ces 4 portes sont munies d'un toboggan qui se gonfle automatiquement. 4 sorties d'urgence sont situées au-dessus des ailes de l'avion. Chaque côté de l'appareil possède 2 issues de secours au-dessus des ailes. Toutes les sorties sont clairement indiquées. Veuillez regarder autour de vous afin de repérer la sortie la plus proche de vous, ainsi qu'une sortie de remplacement.
Tenez compte du fait que la sortie la plus proche peut être située derrière vous. Si la visibilité devient réduite durant une évacuation, un éclairage automatique s'activera. Cet éclairage parcourt le long de la cabine afin de vous guider vers une sortie. Pour votre confort, la pression de la cabine est contrôlée. En cas de dépressurisation rapide, le compartiment au-dessus de vous s'ouvrira automatiquement et des masques comme ceci tomberont à votre portée. Si les masques devaient se présenter à vous, tirez vivement sur le masque pour déclencher l'arrivée d'oxygène. Si vous portez des masques faciaux non médicaux, vous devrez retirer le masque facial avant de placer le masque à oxygène sur le nez et la bouche. Utilisez la bande élastique afin de maintenir le masque sur votre bouche et votre nez. Respirez normalement et veuillez ne pas retirer le masque avant d'en avoir été avisé par un membre de l'équipage. Les passagers accompagnés de jeunes enfants ou de personnes ayant besoin d'assistance doivent placer leur masque en premier et ensuite placer le masque sur le visage de ces derniers. Un gilet de sauvetage réversible est placé dans une pochette située sous votre siège. Veuillez consulter la carte sur les consignes de sécurité afin de vous familiariser avec le fonctionnement de votre gilet de sauvetage. Nous vous prions de bien vouloir respecter les consignes lumineuses de sécurité. Vous devez rester assis avec votre ceinture bouclée quand le signal « Attachez votre ceinture » est illuminé. Veuillez toutefois prendre en compte que l'équipage a effectué des démonstrations de sécurité avec des masques en raison de la COVID-19. Toutefois, si une décompression rapide devait arriver, veuillez retirer vos masques avant d'appliquer le masque à oxygène sur votre bouche et votre nez. En préparation pour le décollage, nous vous prions de bien vouloir redresser le dossier de votre siège ainsi que de votre tablette. Tous les bagages à main doivent être rangés sous le siège devant vous ou dans les compartiments supérieurs. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons un très bon vol.
fastened at all times while seated. We'd like to advise you that smoking has been banned on all board all Canadian commercial aircrafts, as well as consumption of your own alcohol. There are a total of 2 lavatories located on board, all equipped with a highly sensitive smoke detector. 1 lavatory located in the front, and 1 lavatory located in the rear. If there's anything we can help you with, please do not hesitate to call upon us.
sécurité. Pour votre confort et votre sécurité, veuillez vous assurer que votre ceinture soit bien bouclée. Nous vous demandons de rester assis et de ne pas utiliser les toilettes jusqu'à ce que le signal « Attachez vos ceintures » se soit éteint. Merci. Bonjour. Le capitaine... Captain has switched on the fastened seatbelt sign. For your comfort and safety, please ensure that your seatbelt is securely fastened. We would ask that you remain seated and refrain from using the lavatory until the fastened seatbelt sign has been switched off. Thank you. Please ensure your seat belts are securely fastened, your seat back and chair tables have been returned to their upright and locked position, and all carry-on baggage has been stowed. Thank you. Bonjour. Nous sommes en approche finale. Veuillez vous assurer que votre ceinture de sécurité soit bouclée. Redressez votre siège. Relevez votre tablette et assurez-vous de ranger vos bagages à main sous le siège devant vous. Merci.
Toronto. The local time is 10:40. Must commend the pilots. That landing was pretty smooth. Unfortunately, I can't say the same about my dating life. But for the safety of the passengers and the safety of the people seated around you, please remain seated with your seatbelt securely fastened and your cabin baggage securely stowed until the aircraft has come to a complete a final stop at the terminal building and the captain has switched off that fasten seatbelt sign. Your cell phones may now be used. Ladies and gentlemen, please ensure that you have all your personal belongings with you upon leaving the aircraft. Just check the seat pocket in front of you and the area around you just to ensure that you haven't forgotten anything. And please use caution when removing anything from the overhead bins as the contents may have shifted during the flight. Please be reminded that smoking is not permitted until you are in a designated smoking area. If you require any assistance at all upon deplaning, please remain seated and we'll be happy to assist you once the aisles become free. On behalf of the pilots and your in-flight crew today, we'd like to thank you so much for traveling Flair Airlines. Once again, welcome to Toronto and you guys have a great Sunday. Bonjour. Pour votre sécurité et celle des passagers assis autour de vous, veuillez s'il vous plaît rester assis avec votre ceinture attachée et gardez vos bagages à main bien rangés jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil devant le terminal et que le commandant de bord ait éteint le signal lumineux des ceintures. L'utilisation des appareils mobiles et la désactivation du mode avion est maintenant permise. Veuillez s'il vous plaît vous assurer d'avoir avec vous tous vos effets personnels en quittant l'appareil. Et soyez prudent en récupérant vos effets personnels dans les compartiments supérieurs, car le contenu peut avoir été déplacé durant le vol. Nous aimerions aussi vous rappeler qu'il est interdit de fumer, et ce jusqu'à ce que vous soyez à l'intérieur d'une zone désignée fumeur. Si vous avez besoin d'assistance pour le débarquement, veuillez demeurer assis et nous aurons le plaisir de vous aider lorsque les allées seront dégagées. De plus, veuillez vous abstenir d'utiliser tout appareil avec écouteurs lorsque vous circulerez sur la rampe, vers le terminal et demeurez attentif envers les autres appareils et véhicules de service. Au nom de tout l'équipage, nous vous remercions d'avoir voyagé avec Flair Airlines.
Oh!